son sac à main, dans son sac à main, dans son sac à main, elle avait mis trop de parfum à la salope. L'odeur de l'amour, c'était Charles Moudugle à l'instant sur la Une. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter La Ligne de Pleurs et ça nous fait extrêmement plaisir. Nous venons d'entendre le témoignage très touchant de Fanette qui a dû se séparer de son chien, un épagneul breton. Un témoignage qui vous a beaucoup ému, notamment Ralph qui est en ligne avec nous. Ralph, ça vous a touché? Oui. Pourquoi? Parce que moi j'avais aussi un chien, mais j'ai dû m'en séparer. Vous avez dû vous en séparer. J'ai dû m'en séparer. Vous avez dû vous en séparer. Oui, oui, j'ai dû... Vous en séparer. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis à l'assurance invalidité depuis 7 ans. Mm-hmm. J'ai eu un accident de Segway en 2002. Mm-hmm. Du coup, je suis en chaise roulante. C'est un peu comme un Segway, mais assis, pour le coup. Donc oui, un accident en 2002, vous disiez? Et je suis sous tutelle depuis quelques années. Mm-hmm. Je fais des crises d'épilepsie. Mm-hmm. J'ai des problèmes respiratoires. Mm-hmm. J'ai les vertèbres fragiles. Mm-hmm. J'ai moins 3000 de myopie. Ouais, quand même. J'ai pas de genoux. Vous avez pas de genoux? Aucun. Ah ouais? Je suis dyslexique. Mm-hmm. Je suis protestant. Ouh. Et je suis allergique aux cheveux. Allergique aux cheveux? Oui. Vos propres cheveux? Oui, du coup, je dois me chauver. Ouais. Vous rasez, on dit. Ouais. Sinon, je fais des plaques. Ouh, les plaques rouges, ça c'est... Non, des plaques d'immatriculation. Vous faites des plaques d'immatriculation? Ouais. Mais rassurez-moi, vous les fabriquez? Non, non, je les fais sur ma peau. D'accord. C'est à cause d'un autre accident que j'ai eu avec une voiture en 99. Ah. C'est une Suzuki Swift qui m'est rentrée dedans et qui m'a marqué à vie sur l'occiput. Donc, Ralph, vous avez dû vous séparer de votre chien. Oui, je pouvais plus m'en occuper, j'ai dû l'abandonner. Bon, si vous pouvez plus vous en occuper, vous l'abandonnez pas, c'est... Voilà. Ouais. Il est où maintenant, ce chien? Dans un refuge à Coire. D'accord. Et vous êtes allé le voir depuis? Oui, depuis que je l'ai abandonné, je suis allé le voir 16 fois. D'accord. Et comment il s'appelle? Maintenant, il s'appelle Butterfly. C'est mignon, ça? Non, c'est dégueulasse. Bon, c'est un point de vue. C'est les gens du refuge qui n'ont pas voulu qu'il garde le nom que moi, je lui avais donné. C'était quoi le nom que vous lui aviez donné? Voyage organisé. Ça, c'était le nom de votre chien? Oui, un souvenir d'un voyage organisé? Oui, voilà. D'accord. Mais je suis quand même triste de l'avoir abandonné. Mais je crois pas que vous l'ayez abandonné, Ralph. Ben si, je l'ai abandonné. Non, si vous pouvez plus vous en occuper, c'est pas de votre faute, c'est pas un abandon. Si, c'est un abandon. Non. Si, c'est un abandon. Ce n'est pas un abandon, Ralph. Si, je trouve. Moi, pas. Pour moi, c'est un abandon. Pour moi, ce n'est pas un abandon, Ralph. Si, pour moi, c'est comme une sorte de... D'abandon? Oui. Non, alors je crois pas que ce soit un abandon. Vous trouvez? Je trouve. Moi, pas. Bah, pour moi, ce n'est pas un abandon, Ralph. Pour moi, si, alors. Et pour Jennifer Favre, qui réalise cette émission, non plus, c'est pas un abandon. Non, mais pour moi, c'est vraiment un abandon. Mais vous savez, je crois pas que... Vous trouvez? Ce soit un abandon, Ralph. Si. Non! D'accord. Ah, voilà. Merci. Mais je vous en prie, Ralph, merci d'avoir appelé La Ligne de Pleurs. C'est toujours un plaisir d'écouter vos témoignages très émus tout au long de la soirée. Si vous aussi, vous voulez participer, n'hésitez pas à composer notre numéro, le 0845-845-PI. Voilà, je regarde l'heure. Il est bientôt 23h. Juste avant les infos, nous avons le temps d'écouter un petit peu de musique. La programmatrice musicale nous propose d'écouter Nino Ferrer sur La Une. Très bonne soirée. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. L'antispécisme, c'est le contraire du spécisme. L'antispécisme, c'est le contraire du spécisme. Et le spécisme, c'est un... Et le spécisme, c'est un...